écrire vendredi 1er mai. Comme il n'y aura pas de classe virtuelle, peut-être que tes enfants vont le faire le samedi 2 mai. Donc ce n'est pas grave, le vendredi 1er mai, normalement, c'est la fête du travail et normalement, on ne travaille pas. Alors, on va écrire dictée. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer les syllabes que nous avons vues la veille. Donc, ce sont des syllabes à quatre lettres où on entend trois sons. Premier exemple, blue. J'entends b, j'entends l et j'entends ou. D'accord? Voilà ce que je dois faire dans ma tête pour écrire ces syllabes. C'est parti. Vlan. Vlan. J'entends v, j'entends l et j'entends en. Vlan. Je continue. Flin. Flin. J'entends f, j'entends l, j'entends un. Blond. Blond. J'entends b, j'entends l, j'entends on. Blois. Blois. Mettez pause hein, si je vais trop vite. J'entends b, j'entends l, j'entends wa. Glou. Glou. Comme dans glouton. Plan. Plan. L. An. An. Si vous avez écrit en, c'est pas grave, mais remettez quand même le an. Et la dernière syllabe, c'est clin. Clin. L. Un. Nous passons maintenant aux mots. La gloire. La gloire. Travaillez par syllabe. La gloire. Je dois trouver quatre lettres. G, l, oua. La gloire. Re. Blanche. Blanche. Première syllabe à quatre lettres. Deuxième syllabe à trois lettres. Blanche. Blanche. Je continue. Un clou. Un clou. Mot à une syllabe. Donc je dois avoir quatre lettres. U, ou. Un clou. Planté. Plan. T. Plan. Certains élèves auront peut-être écrit E-E-R, c'est très bien. Parce que c'est un verbe, ce qu'on appelle à l'infinitif. Je continue avec le mot flou. Flou. Très bien. Et le dernier mot est le mot un glouton. Que nous avons vu dans Taoki. Un glouton. Un glouton. Voilà pour la dictée d'aujourd'hui. J'en profite pour revenir sur une phrase du livre de Taoki. Pour expliquer, parce que je ne l'avais pas fait, blonde comme les blés. Blonde comme les blés, ça veut dire que ses cheveux ne sont pas du blé, mais ils ont la même couleur que le blé, c'est-à-dire qu'ils sont très jaunes or presque. Voilà, c'est une expression, ça s'appelle. Donc je vous demande de préparer sur les phrases pour la classe virtuelle de lundi.
De qui parle-t-on et que fait-il? D'accord? Pour chaque phrase. Voilà, merci beaucoup pour la dictée d'aujourd'hui.